Et salut tout le monde, c'est Dortos. On se retrouve aujourd'hui non pas pour un épisode mais pour une petite annonce. Donc j'ai le regret de vous dire que j'ai eu un souci avec mon émulateur PSP, que j'ai perdu les données de Crisis Core. Donc il faut que je me refasse tout le jeu. Là pour l'instant j'ai franchement pas la foi. Donc je mets le Let's Play en pause, je le reprendrai dès que j'aurai la motivation pour récupérer, enfin pour refaire les données. J'ai entendu parler d'un générateur de sauvegarde ou un truc comme ça. Je vais me renseigner et puis au pire bah, je me referai le jeu. Et je ferai quelques missions pour essayer de level up un peu plus. Ça peut toujours être utile. C'est tout pour Crisis Core. Le let's play sur Zelda Force d'Aventure est également mis en pause. Parce que bah, avec l'émulateur c'est la merde. Tandis qu'avec la. Avec mon Elgato, j'ai réussi à. Je peux enfin filmer la GameCube, donc il faut que je me refasse le jeu sur la GameCube également. Donc ça, je le ferai dans pas trop longtemps parce que le jeu n'est pas hyper long. Enfin, ce que j'ai fait n'est pas hyper long. Mais donc c'est également en pause. Hein. Désolé. De toute façon, je vous ai déjà dit plusieurs fois. Vous êtes déjà au courant que je tourne sur ce que j'ai envie de tourner. Donc concrètement, même si je vous dis ça, ça change pas grand-chose. Mais bon, je tenais à ce que vous soyez au courant. Donc ce sera tout pour cette petite vidéo annonce et je vous dis à demain pour le let's play qui remplace en attendant Crisis Core. Voilà, allez, à demain. Ah oui, juste une dernière chose, j'ai oublié de vous préciser, je possède également sur GameCube Pokémon Colosseum et Pokémon XD qui seront également faits en let's play dans pas longtemps, mais si vous voulez que ça remplace Force World le temps que je répare et que j'ai la foi de réparer, enfin de réparer, de rattraper le jeu. Bah n'hésitez pas, je suis tout à fait d'accord pour faire bah, Colosseum en premier et XD à la suite, hein, sinon c'est pas très logique. Et si vous avez d'autres idées de jeux GameCube à me proposer, avec éventuellement des liens pour commander le jeu pas trop cher, c'est possible, je suis preneur, donc envoyez tout ça dans les commentaires. Allez, bye tout le monde!